Bonjour, ça y est, je suis là. C'était pas gagné. Bienvenue dans ce live qui va vous parler de l'aromathérapie pour les céphalées, les maux de tête, les migraines. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de m'installer encore complètement. Je voulais pas être en retard pour vous recevoir. Comme d'habitude, je ne vois pas encore complètement donc tous les gens qui sont en ligne tout de suite. Ça me l'affiche un petit peu avec du décalage. Bienvenue à tout le monde, bienvenue. Alors, est-ce que j'ai des élèves de Myrtea ou de l'école des plantes qui sont avec nous ce soir? Mettez-le moi dans les commentaires. Alors, je vais chercher mes petites notes en direct. Alors, une seconde. Voilà. Hop, bonjour, bonjour Vita, bonjour à tout le monde. Alors, voilà, tac, 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 conférence. Alors, j'avais fait des petites notes. Bon, vous me direz en même temps, ça, je ne devrais pas avoir trop de mal à vous en parler. Je reviendrai regarder après si j'oublie quelque chose. Alors, Virginie, ELPM, bonjour, bienvenue, bonjour à tout le monde. Voilà, venez nombreux sur ces petits lives, les élèves de l'école des plantes, les élèves de Myrtea, je suis toujours heureux de vous voir. Bonjour à tout le monde, est-ce qu'il y a d'autres élèves de nos écoles? Ah, ben voilà, encore une ELPM première année, bienvenue. Alors, bon, je sais pas si on entend, là il y a, je crois qu'il y a mon voisin qui passe la tondeuse. Donc, voilà, j'aime bien faire les lives un petit peu dehors, hein, j'ai le droit, j'ai une espèce de nouvelle bestiole qui tient le téléphone. Hop, bonjour, encore une ELPM, bonjour à tout le monde, bienvenue. Et bonjour à toutes les personnes également qui regarderont donc, ce petit live en replay ou en podcast sur YouTube, sur Facebook et accessible également à nos élèves sur de Myrtea Formation, donc sur la plateforme dans la partie conférences et petites vidéos gratuites supplémentaires. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, on va parler de l'aromathérapie pour les céphalées, les migraines. Donc déjà, les céphalées, c'est les maux de tête en général. Donc c'est important de faire la distinction entre céphalées et migraines, parce que les migraines, c'est quand même une problématique qui peut être plus embêtante et plus grave qu'un simple petit mal de tête. Donc dans les différents maux de tête qu'on peut rencontrer, on a les maux de tête qui sont liés, hein, alors par exemple tout simplement de la déshydratation. On a des maux de tête qui peuvent être des céphalées de tension, des céphalées qui sont liées donc à une activité cérébrale trop importante. Bonjour Régine. Alors, on a également donc les maux de tête qui peuvent être liés aussi à un foie qui est fatigué. Donc ça, c'est classique en naturopathie d'évoquer les céphalées, de les associer vraiment avec le foie. Donc, par exemple, alors je vous redonne celles que j'avais prises en note. Donc les céphalées nerveuses, stress, manque de sommeil, par exemple. Les céphalées hépatiques, donc alimentation, ou alors le syndrome prémenstruel, parce que pendant le syndrome prémenstruel, on a donc un déséquilibre au niveau des endocriniens, au niveau des hormones, et c'est le foie qui est obligé de gérer ce surplus d'hormones, et ça peut entraîner donc notamment des céphalées, des maux de tête. Alors, on a également les céphalées qui peuvent être liées à une problématique circulatoire. Donc, dans les céphalées qui peuvent être liées à une problématique circulatoire, notamment, on peut retrouver donc certains types de migraines. On a également, alors, la fameuse céphalée gueule de bois. Alors, je me suis dit qu'on pourrait en parler aussi dans ce live. Donc là, c'est, alors, tout le monde ne le sait pas, mais c'est également lié à un problème d'hydratation. C'est-à-dire, quand on boit de l'alcool et en excès, en tout cas, ça a de toute façon un effet diurétique. Donc, ça nous fait beaucoup pisser, hein. Il n'y a pas que la bière
qui fait pisser, c'est l'éthanol, l'alcool en général, qui est diurétique. Et également, bah, il y a le foie qui est obligé de se charger de la détoxication, hein, et donc l'ensemble vous emmène avec cette gueule de bois qui donne, comme on dit, la migraine, même si ce n'est pas une migraine à proprement parler. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les huiles essentielles? Alors, il y a du vent, j'ai ouvert pour aérer un petit peu parce qu'il fait chaud. Je ne sais pas si vous trouvez comme moi, là, mois de... Alors, on pourra en parler d'ailleurs, il y a un truc qu'on peut faire en hydrolathérapie. Mais pour un mois de mai, disons qu'en France, alors je ne sais pas, j'ai souvent des gens qui viennent d'ailleurs d'autres pays ou d'autres dans les dom-tom. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'aime bien, moi, quand il y a des personnes qui m'écrivent de Suisse, de Belgique, du Québec et d'Afrique, des fois j'ai également. Donc, coucou à vous. Hein, et même si vous regardez en replay, en tout cas, là, tout de suite, on est, donc pour les personnes qui vont le regarder en replay, on est en 2022, on est en mai et il fait une chaleur incroyable. Moi, j'habite à 1000 mètres d'altitude et dehors, voilà, il fait quasiment 30 degrés. Ouais, Virginie qui nous met vent chaud comme dans un four à chaleur tournante. Ouais. Alors, bah d'ailleurs, pour juste petit focus, parce qu'on en parlait tout à l'heure, donc je vous le dis déjà parce que sinon je vais oublier. Pour la sensation de chaleur, il y a quelque chose qu'on peut faire très simple en hydrolathérapie, c'est un petit coup de vaporisation, soit sous forme de spray, soit vous avez des petits brumisateurs portables, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site de Myrté à Auchady, qui vous permettent de vous vaporiser des hydrolats, et notamment, bah, faites-le par exemple avec la menthe poivrée. Ah bah on a Estelle qui est en Afrique, où il fait très chaud, bah j'imagine, oui. Alors, donc on va chercher en aromathérapie une action antalgique locale. On va chercher à apaiser la douleur localement. On va chercher une action relaxante, décontractante, notamment pour les céphalées de stress ou les céphalées nerveuses. On va chercher également donc une action sur le foie pour tout ce qui est céphalée hépatique. Alors évidemment, je suis certain que dans tous les élèves que j'ai ce soir, j'ai vu que j'avais des élèves donc herbalistes première année, alors on ne l'a pas vu encore ensemble celle-là, à l'école des plantes à Lyon. J'ai vu quelques-uns de mes élèves aussi de Myrté à formation. Donc évidemment, donnez-moi. Ah là, j'ai le bonjour de Belgique. Ah, je suis content. Suisse, 32 degrés, la vache. Ah ouais. Donc. Mes élèves et puis toutes les personnes qui connaissent bien l'aromathérapie, dites-moi ce que vous avez comme idée pour donc en choix d'huile essentielle pour les céphalées. Il y a un choix évident, tout simple, donc c'est sûr que j'aimerais bien que vous le notiez parce que c'est un peu le béaba, mais je vais vous proposer également des alternatives parce que le choix de l'huile essentielle, donc je vais vous évoquer dans un instant et que vous allez me mettre dans les commentaires, il n'est pas toujours indiqué pour tout le monde. Et il y a certaines personnes qui le tolèrent mal. C'est une huile essentielle qui peut être d'usage un peu plus sensible que d'autres. Alors, on a Carole qui nous met le gingembre. C'est un bon bon choix. En tout cas, c'est inattendu. Je m'attendais voilà, à la menthe poivrée que nous donne Sylvie. Patricia, qui a suivi aussi nos formations, qui nous dit également la menthe poivrée. Voilà, Virginie, menthe poivrée, évidemment. Donc voilà, et je vous ai parlé en Belgique, il pleut 16 degrés. Tiens, c'est rigolo. Donc, la menthe poivrée, je vous en ai parlé en hydrolat, notamment que vous pouvez vous vaporiser dessus pour baisser la sensation de chaleur. Je vous en ai parlé à l'instant. Donc, sous forme d'hydrolat, surtout pas l'huile essentielle. C'est pas du tout la même chose, hein, n'est-ce pas, mes élèves ELPM, on en a parlé le week-end dernier. Alors, on a Virginie qui nous parle de la Gaultérie. Donc, ça, c'est un bon choix aussi, effectivement. Alors, je vais vous donner la liste des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour ce type de problématique. J'en ai fait une sélection. C'est évidemment pas exhaustif, hein, mais c'est celle qu'on retrouve le plus couramment. Voilà. Donc, évidemment, la menthe poivrée, prudence. Donc, la menthe poivrée, je le dis tout de suite, même si je voulais le faire plus en détail, mais la menthe poivrée, donc, vous pouvez l'appliquer de préférence dans un petit peu d'huile végétale, donc localement sur la zone qui est douloureuse, donc en petite quantité, donc je dirais une goutte pour toute la surface maximum, avec avec une huile végétale. Et c'est complètement déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants, et je dirais moi enfants de moins de 10 ans par sécurité même. Et c'est surtout pas à faire, il faut faire très attention au contour des yeux, il faut pas l'appliquer pure sur une trop grande surface, une petite trace encore, mes élèves me diront, j'ai déjà parlé sous forme de petite trace. Là, le live, il va être visionné, alors j'ai certains lives qui sont visionnés plusieurs milliers de fois, donc il faut faire attention
à ce que je dis, et donc je vous la recommande de la mettre diluée. Alors, j'ai Marie-Laurence qui nous parle de la camomille romaine, très bonne idée. Lucie, Romarin Camphre, c'est très créatif, je ne sais pas avec qui tu as été formé. Le camphre, il a un effet antalgique. Attention pour les personnes qui sont sensibles, les femmes enceintes, etc. Et puis notamment les personnes épileptiques avec le camphre. Alors, camomille romaine, c'est une bonne idée la camomille romaine. Donc, j'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus qui nous mettait... la lavande vraie. Donc la lavande vraie, c'est une bonne idée. Elle n'a pas trop de contre-indications, si ce n'est certains cas rares de personnes qui peuvent être allergiques à certains composés. Donc la lavande vraie, c'est une très bonne idée. Donc on va appliquer toujours donc localement. Moi, ce que je fais, par exemple, donc dans un petit peu, donc de manière générale, les huiles essentielles, on les dilue. Donc un petit peu d'huile végétale. On applique localement. Moi, je fais la base du crâne, hein, la nuque. La zone qui est douloureuse, particulièrement quand on a une migraine, c'est souvent... une zone bien localisée donc au niveau du crâne, les tempes en faisant attention aux yeux. Alors voyez, moi c'est pratique, je peux mettre des huiles essentielles ici, j'ai pas de cheveux. Lucie qui dit l'arbre d'Himalaya. Oh bah toi tu t'es formé avec moi, non? Alors remarque, pour les céphalées pourquoi pas. Donc les céphalées nerveuses de tension, comme Mélodie qui nous parle du petit grain, pour les céphalées nerveuses de tension, c'est pas mal. Alors je dis de tension nerveuse, hein, pas de tension ne pas confondre, je vous ai parlé des céphalées également circulatoires. Voilà, et là où ce sera le plus la tension au niveau du système circulatoire. Alors, il y a le basilic tropical qui peut avoir un effet décontractant, là, qu'on pourrait mettre par exemple sur les trapèzes, pas au niveau du crâne. Attention, il est un peu irritant au niveau cutané pur. Il y a le laurier noble qui contient un petit peu d'eugénol. Et donc en toute petite quantité, le eugénol qui a un effet qui est anesthésiant. Donc c'est une bonne idée. Il y a donc la camomille dont nous a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui, donc la camomille romaine, la camomille noble, qui elle n'a pas de contre-indication particulière. Il y a le petit grain, donc on a vu, voilà, dont nous parle notamment Mélodie. N'hésitez pas à mettre d'autres huiles en commentaire. Je vais les commenter. Ça m'intéresse de voir tous vos petits trucs et astuces. Et puis en plus, j'apprends aussi avec vous. Hein, il y a des petites choses auxquelles je peux ne pas avoir pensé, mais dire, mais ouais, c'est pas bête. Alors. Il y a l'ylang-ylang qui est super aussi pour la relaxation, la décontraction. Il y a donc le fameux romarin verbenone qui va avoir un effet sur le foie. Et puis la gaultérie aussi qui a un effet antalgique, anti-inflammatoire, décontracturant. Donc attention, qui peut être irritant et qui est déconseillé aux personnes qui prennent des fluidifiants sanguins, des anticoagulants. Alors, comment on peut employer ces huiles essentielles ? Donc moi, ce que je fais, par exemple, je vous l'ai dit, voie cutanée bien diluée de 1 à 3% maximum. On peut parfois, mais alors on peut monter jusqu'à plus très localement, et vous verrez des formules où ça monte à beaucoup, beaucoup plus. Je sais que je crois que j'avais une élève qui me disait que Geneviève, qui est ma prédécesseuse chez Myrtea Formation. Ah, coucou Noélie. Donc Geneviève qui était ma prédécesseuse chez Myrtea Formation. Elle conseillait un petit roll-on avec donc pour les céphalées avec beaucoup plus d'huile essentielle en quantité. Donc c'est pas un souci si vous savez bien choisir les huiles, si vous savez donc bien le mélanger, si c'est très local, tout ça. Hélicryse, c'est une bonne idée. Elle est anti-inflammatoire et antalgique. Elle contient des cétones, mais c'est des cétones qu'on qualifie de douces, hein, donc c'est en tout cas réservé à l'adulte par précaution et réservé aux personnes, alors pas de femmes enceintes, etc. Alors, donc voilà, je vous dis voie cutanée diluée à 1-3%, donc dans une huile végétale. Donc donnez des exemples d'huile végétale en commentaire. Il n'y a pas que moi qui bosse. Hein. Donc mettez-moi des exemples d'huile végétale. Ça continue les cours, hein, les élèves. Alors, vous pouvez faire donc voie orale. Moi, je préfère donc à ce moment-là, surtout quand on a... Ah, coucou Carodias. Carodias, qui est notre super... contact privilège pour nos pros chez Myrtea Auchadi France. Alors, voix orale, je préfère donc surtout sur un live à grand public comme ça, je vais vous dire plutôt hydrolat, même si on peut une petite trace localement d'huile essentielle. Et donc, vous pouvez donc faire jusqu'à 4 fois par jour, que ce soit donc une cuillère à soupe dans un verre d'eau d'hydrolat ou une trace sur la langue de menthe poivrée si vous voulez faire la voie orale avec les huiles essentielles, même si je vous recommande plutôt sur un live grand public comme ça les hydrolats. Et vous le faites voilà, jusqu'à 4 fois par jour sans problème. Alors,
Peut-on utiliser une huile pure? Donc, alors, Vanessa, coucou, bah, c'est ma cousine. Vanessa, alors, les huiles essentielles pures, on off, mais c'est pas off là, je te dirais oui, certaines huiles, pas de problème. Sur un live grand public comme ça, je dis dans un petit peu d'huile végétale. Ou alors, à la limite, diluer donc une huile essentielle, par exemple, de menthe poivrée, dans un petit peu d'huile essentielle de lavande vraie. Des fois, on s'en sert comme support. Et une trace très localement au niveau cutané. Mais de manière générale, je préfère que vous diluiez dans une huile végétale. Alors, Chantal qui dit chanvre, pourquoi pas? Elle est bon, très riche en acides gras saturés, c'est plutôt quand même... plus voie orale. Jojoba, Virginie, c'est super. La calophylle, pourquoi pas, elle est anti-inflammatoire. Elle est un peu galère à pratiquer parce qu'elle est un peu difficile, elle est, comment dire, elle est un peu visqueuse, pâteuse. Voilà. Donc moi, je conseille bah, par exemple l'amande douce, le tournesol. Je conseille... Ah, mes commentaires, j'arrive pas à voir la suite. Tac, tac. Voilà. Alors... ouais, t'as une question vachement technique. J'arrive pas à voir ton nom à cause de ces galères. Tac. Donc pour les céphalées de tension, ouais, les céphalées de tension circulatoire, d'hypertension notamment, elles sont la menthe poivrée pas forcément recommandée. Il vaut mieux prendre à ce moment-là plus de la lavande vraie, par exemple. Alors, hop. Voilà, l'huile d'amande douce, c'est bien, Kirad. C'est une bonne idée. Alors, ensuite, la diffusion donc qu'on va préférer. Donc, alors, évidemment, la diffusion, on va pas mettre de... Eucalyptus citrus, c'est une bonne idée, Dominique, ouais. Anti-inflammatoire aussi. Elle peut être un peu écœurante, notamment si on a de la migraine, par contre, au niveau du parfum. Alors, donc, au niveau de la diffusion, évidemment, on va choisir des huiles essentielles douces. Hein, donc, par exemple... ça peut être indiqué de diffuser du petit grain, de la lavande. L'arnica, c'est macérat d'arnica. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. Donc, et si vous faites un mélange de 10 ml de synergie, par exemple, vous mélangez le petit grain bigaradier, lavande vraie, vous mélangez, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, si vous aimez ça, un peu du laurier, ça c'est une très bonne idée. Et vous pouvez mettre sur votre flacon de 10 ml donc de mélange d'huile essentielle, vous pouvez mettre 2 gouttes de menthe poivrée sur l'ensemble pour la diffusion. Mais vous ne diffusez pas de la menthe poivrée telle qu'elle, ça c'est sûr. Alors, les nausées dues aux migraines, une autre huile essentielle que la menthe poivrée, anti-nauséeuse, ce qui me vient comme ça, la lavande par exemple. Sinon, prends la menthe poivrée en hydrolat. Comme ça, tu n'auras pas à la sentir et tu peux la boire. Et ça, c'est une bonne idée. Ça marche bien. Ah oui, le citron, tiens, Marie-Laurence. Bah oui, bah voilà, citron, c'est une antinauséeuse. C'est pas mal. C'est bien, en fait. Aidez-moi à répondre aux commentaires, là, mes élèves pros, là. Alors, petite formule tac-tac. Donc, je vous conseille une petite formule que vous pouvez faire pour les céphalées. Donc, vous faites un petit flacon de 5 ml à respirer. Ou à appliquer dans une huile végétale. Bah tiens, bah je vais vous poser là. J'aime bien mon nouveau joujou. Alors, est-ce que on me voit bien? Ouais. Alors, on va le tourner un peu plus comme ça. Voilà. Alors, vous allez prendre, vous pouvez noter 1 ml de menthe poivrée. Donc, vous prenez un flacon vide, hein, propre, en verre, teinté, 5 ml, vous mettez dedans, donc avec une seringue de dosage, par exemple, il y a d'autres lives où je vous montre la seringue d'ailleurs, là je ne vais pas descendre, remonter, vous prenez les seringues de dosage, vous pouvez les trouver sur notre site Myrtea Oshadi, donc 1 ml de menthe poivrée que vous mettez dans votre flacon vide, 2 ml de petits grains bigaradier et 2 ml de laurier noble, Laurus nobilis. Donc ça vous fait 5 ml. Et ça, vous pouvez donc le respirer en cas de céphalée, migraine, maux de tête, etc. Et vous pouvez l'appliquer localement, donc diluer dans une huile végétale. Voilà, donc ça vous fait un petit flacon tout prêt. Vous pouvez évidemment le mettre dans un roll-on. Par exemple, vous pouvez faire un petit roll-on. Tiens, je vais vous en montrer un. Voilà. Petit roll-on que vous achetez vide, hein, par exemple 5 ml, et vous le remplissez, et puis vous appliquez comme ça, donc localement, hop, ça existe, notre site d'ailleurs, par exemple, sur Myrtea Oshadi, on vend des roll-on vides, et vous appliquez votre mélange. Alors,
Dans les huiles végétales, vous m'en avez mis déjà quelques-unes qui étaient pas mal. Jojoba, jojoba, noisette, millepertuis. Attention millepertuis, vous ne vous exposez pas au soleil après. Bon, décidément, il y a du vent. Calendula, c'est un macérat, hein, par exemple. Et vous mettez, alors, pour, moi, je vous donne une formule sécure, tranquille. Donc, pour un mélange de 5 ml, hein, vous mettez donc 3 à 4 gouttes de votre petite synergie que vous avez faite avant, que je vous ai donnée. Et vous remplissez ensuite votre reste de votre rhum de 5 ml jusqu'au bout avec une huile végétale de choix, bah, par exemple, noisette, jojoba. Alors, je regarde si vous avez d'autres petites questions. Verveine, ouais. Alors là, verveine, c'est pas con, Carole. Notamment pour les céphalées qui sont liées au stress, la nervosité. Et donc, on va préciser, c'est verveine citronnée, en aromathérapie plutôt. Et donc, Lipia citriodora. Hein. Alors oui, il faut donner les noms botaniques. D'ailleurs, tiens, donnez-moi les noms botaniques, les élèves, vous bossez. Alors, menthe poivrée, c'est quoi? Vous mettez menthe poivrée, 2 points. Lavande vraie, c'est quoi? Basilic tropical, c'est quoi? Laurus nobilis, ah bah tiens, je l'ai mis en latin celui-là, tiens, donc ça c'est laurier noble. Camomille noble, c'est quoi? Petit grain bigardier, c'est quoi? Ylang ylang, c'est quoi? Voilà, mettez-moi les noms. Botanique, comme ça on est précis. Donc verveine, Carole. Le seul truc, c'est que c'est un petit peu cher. C'est même assez cher, c'est parce qu'il faut une grosse quantité de plantes pour faire une petite quantité d'huile essentielle, hein, donc plusieurs tonnes de plantes. Donc Sylvie me dit menta piperata, c'est bien pour la menthe poivrée. Continuez, je check. Oui, voilà, donc d'autres. Lavandula angustifolia nous dit Patricia, super. Il n'y a pas de A au début, mais je pense que c'est une erreur de frappe. Donc ça, c'est pour la lavande vraie. Ah oui, verveine en hydrolat, Carole, ouais. Bah, ça, c'est très bien. Très, très bien en hydrolat. Alors, où appliquer le roll-on, votre mélange, en tout cas, de que vous allez appliquer localement. Kananga odorata, ça, c'est pour l'ylang ylang, bravo. Donc, vous l'appliquez, je vous l'ai dit, le temple. Bon, en fait, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, donc on ne va pas répéter. Nuque, zone douloureuse, temple. Vous pouvez faire aussi les épaules, si vous voilà, sentir au niveau musculaire. Ça peut aider de détendre au niveau musculaire pour faciliter la circulation. Et vous pouvez mettre une petite trace, juste une petite trace du mélange bien dilué, sous le nez aussi, pour le respirer. Alors, les hydrolats pour accompagner les maux de tête. Donc, vous avez, par exemple, la menthe poivrée, donc ça peut être super de se la vaporiser comme ça, par exemple. Vous avez la lavande vraie, le basilic doux, le laurier noble, le camomille noble, la fleur d'oranger, ça c'est une bonne, un bon hydrolat aussi. Notamment, voilà, justement les céphalées qui sont liées à la tension nerveuse. Vous pouvez, donc citrus aurantium, amara, ça je pense que c'est pour le petit grain, nous dit. Donc, le romarin verbenone en hydrolat et le laidon du Groenland aussi. Ça, c'est le romarin verbenone et le laidon du Groenland. Ça, c'est pour le choix particulièrement. Alors, comment vous allez l'utiliser? Donc, je vous dis en vaporisation et puis en voie orale. C'est super intéressant de faire un petit mélange, une petite voie orale avec les hydrolats. Donc, vous mettez à ce moment-là, donc un exemple pour une voie orale, vous allez mettre 2 cuillères à café de menthe poivrée. 1 cuillère à café de laidon d'une Groenland. Alors, oui, pardon, j'ai pas précisé. Ce mélange-là, c'est pour, je fais du coup un petit zoom, je vous ai dit tout à l'heure, le petit zoom formule anti-gueule de bois aux hydrolats. Donc là, c'est spécifique gueule de bois aux hydrolats. Céphalée hormonale, c'est, Sophie, c'est plutôt le, par exemple, le romarin verbenone. Ouais, Patricia, elle dit l'ivèche pour les problèmes hépatiques. Alors, la livèche, c'est vraiment pour les gros problèmes hépatiques. Hein. C'est très puissant, son action sur le foie. Donc, c'est pas à en abuser. Alors, anti-gueule de bois aux hydrolats. Je reprends dans une bouteille d'1,5 litre d'eau. Vous mettez 2 cuillères à café de menthe poivrée, 1 cuillère à café de laidon du Groenland et 2 cuillères à café de basilic doux. Vous mélangez donc dans votre flacon, dans votre bouteille d'eau, vous fermez, vous secouez et vous buvez ça, donc 1,5 litre d'eau tout au long de la journée, hein, parce qu'il faut vous réhydrater, ça va vous faire pisser, ça va vous faire évacuer et ça va vous apaiser. Donc en parallèle, évidemment, vous faites une petite application d'huile essentielle localement. Alors,
Et puis vous avez des petits points réflexo que vous pouvez faire donc en aromathérapie. Donc sous le pied, alors je vous montre mon pied, tiens, comme ça, à l'écran, ici. Ah, pardon, ils sont dégueulasses, je vous montre les pieds, je suis bien dégueulasse, parce que j'ai des sandales. Donc j'ai marché toute la journée en sandales, et bien forcément. Voilà, donc je vous montre pas la zone moche. Donc ça, c'est le gros orteil. Hop, vous massez au-dessus du gros orteil, ici, pour les céphalées de tension. Voilà. Et ça, vous pouvez faire avec une huile essentielle et dans un petit peu d'huile végétale. Voilà. Et vous massez, vous allez loin, vous faites craquer les petits... vous allez voir comme des petits cristaux à l'intérieur, hein, surtout si vous avez trop d'agitation mentale, etc. Et ça fait rire, Virginie. Et voilà. Donc ça, c'est super pour les céphalées de tension nerveuse. On enseigne ça, par exemple, chez Myrtea Formation, nos modules de réflexologie aromatique. Voilà, alors petit conseil complémentaire. Oui, Patricia, effectivement, en plus je l'avais marqué, mais c'est que juste je voyais le temps qui passait. Sur le pouce aussi, c'est plus facile, effectivement, on peut le faire sur le pouce. Je trouve que moi, les pieds, moi je trouve que ça marche particulièrement bien. Mais voilà, vous pouvez le faire sur les pouces. Patricia, tu t'es formée chez nous en réflexo, hein, je crois, hein, dans mon souvenir, d'ailleurs. Alors, les deux pieds, hein, Vita. Deux pieds, deux mains. Voilà. Donc, petit conseil complémentaire pour les céphalées et les maux de tête en général. Vous pouvez alors évidemment boire beaucoup d'eau. Alors beaucoup, faut pas tomber dans la potomanie, hein, c'est-à-dire l'abus d'eau. Faut pas boire 3 litres d'eau par jour, ça sert à rien. Mais quand je dis boire beaucoup, c'est souvent plus que ce que la plupart des gens ne font, c'est-à-dire au moins 1 litre d'eau par jour. Et quand je dis 1 litre d'eau, je compte pas les cafés, je compte pas les sodas, les trucs comme ça, tout ça, ça compte pas, hein, c'est de l'eau. Marcher en nature, ça vraiment ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui est prescrit par exemple au Japon, le fait de marcher notamment en forêt. Évidemment, dormir suffisamment et à heure régulière, si vous pouvez, ça va beaucoup jouer. Le fait de méditer, vous pouvez par exemple faire des petites méditations olfactives tous les jours, donc ça va, vous allez voir que ça va diminuer les occurrences, le nombre de fois vous allez avoir des céphalées. Puis évidemment, attention aux excès alimentaires quand c'est des céphalées hépatiques, ça aide pas. Alors, petit quiz, est-ce que le café c'est bon pour les maux de tête? Petit quiz, donc allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Je peux d'ores et déjà vous dire que l'abus d'alcool, hein, on l'a vu, c'est pas bon de toute façon pour les maux de tête. Alors, est-ce que vous savez le café? Donc, oui. Migraine à orage, je connais. C'est un peu dur de préciser dans le live. Tu regardes les commentaires en général, les petites infos que j'ai données, notamment pour les migraines en général, parce qu'elles vont s'approcher de la même manière. Alors, picoler un peu moins, oui. Alors, donc oui, Dina, je suppose que c'est pour le café. Ouais, donc je vous le dis, le café, oui, comme dit Virginie, c'est bon en fait pour les céphalées, les migraines, les maux de tête, la caféine, c'est bon, sauf. Par contre, si vous avez une céphalée, les céphalées circulatoires, notamment avec un excédent, une tension circulatoire, une tension veineuse trop élevée, tension artérielle, pardon, trop élevée, donc là, à ce moment-là, l'abus de café n'est pas bon. Mais sinon, de manière générale, c'est très bon la caféine pour les céphalées. Alors, voilà, donc on a fini ce petit live. Je suis hyper content de l'avoir partagé avec vous. Donc maintenant, oui, ils font 30 minutes. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est que on m'a fait plusieurs fois la remarque 45 minutes, c'était un peu long. Donc 30 minutes les lives maintenant. Donc voilà, je vous montre. Hop. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, mais ça c'est chez moi, c'est la vue qu'on a de chez moi avec le puits Giroux qu'on voit au fond et le plateau de Gergovie. Et puis un peu plus loin, je ne sais pas si on voit ma main. Là-bas, voilà, c'est Clermont, mais on voit pas trop. Voilà, donc on va se retrouver donc le mois prochain pour, oula oui je suis parti dans un truc, l'aromathérapie et les tempéraments hippocratiques, pardon, donc ça va être quelque chose. Normalement je serai peut-être avec Anne Simon d'ailleurs qui est prof de physio chez nous et qui sera également, donc il fera le cours et je serai à Clermont normalement avec elle il me semble. Hein.
Allez, je vous dis à très bientôt, mes chéris. Je vous embrasse très très fort. Alors, vous avez, pardon, j'ai oublié le petit code des Facebook Live. Je crois que c'est OFFB Live 21 pour vous offrir 15% de réduction sur nos formations en présentiel ou en distanciel chez Myrtea Formation. Voilà, parce que sinon, si je le dis pas, je vais me faire fâcher. Donc, notez-le bien, OFFB Live 21. Voilà, et puis pour regarder les prochains lives, les dates, que ce soit avec moi, avec Elodie, avec d'autres chez Myrtea Formation, vous allez sur notre site dans la partie actualité, vous avez donc les dates des prochains lives. Merci, je vous embrasse, à très bientôt, prenez soin de vous, et attention, Alexé de Soleil, mais profitez-en quand même. Hein. Allez, bon week-end, ciao.